Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Allez, ça va commencer direct. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, le maître de midi n'avait pas encore 400 000 euros à son compteur. Il était venu avec Séverine, sa sympathique maman. Au coup d'envoi, la première question super dure. Qui le masque anti-projection chirurgical protège-t-il? Donc, bien sûr, c'était les autres. Après, vous aviez la très mignonne de Kenza, qui était venue avec l'équipe de sa famille. Donc, bonjour à toute la famille. En plus, elle parlait plusieurs langues. Alors, de Kenza, les chercheurs ont constaté un baby boom en Arctique. Et bien, c'était des araignées. Après, vous aviez Loïs, qui était venue aussi venue avec l'équipe de sa famille. Que je vous salue. Alors, sa question, qu'as-tu fait? Après, vous aviez Stéphane, très sympathique. Alors, Stéphane, si vous voulez vous suivre sur Twitter, donc c'est le gars qui m'a aussi qui a mis une chaîne YouTube. Mais bon, j'ai cliqué dessus. Et bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a rien du tout. Donc, voilà, donc il était venu avec le coup de sa famille, avec tout le monde. Et même, il s'est mis avec une tâche de vin comme aujourd'hui, Freshman. Alors, première question. Chez les femmes, quelle est la tranche d'âge et la plus complexe et la plus complexée par les femmes? C'était 44 ans, donc il est passé à l'orange. Pour le maître de midi, dans la pièce de Molière, quelle partie du corps Tartuffe demande-t-il de couvrir? Donc, bien sûr, couvrez-moi ce sein. Pour Kenza, ah oui, alors on m'a demandé ce que voulait dire ce qu'elle avait sur son t-shirt ou son sweat. Donc, she's choose speakers and words, donc ça veut dire que ses chaussures parlaient plus fort que ça. Donc, je reprends la question. Selon une étude canadienne, quelle pratique renforcerait le système immunitaire? Eh bien, il paraît que c'était manger ses protéines. Donc, je prépare pour demain un t-shirt. Je mange une crotte de nez. C'est bon pour ma santé. Ensuite, à quoi sert l'application à laquelle le chanteur Harry Styles a prêté sa voix cette année? Ensuite, dans le remake de la film français Zac Efron de Pétition. Pour le maître de midi dans la bouche d'un jeune, que signifie la phrase « Hello, l'Europe » Eh bien, c'est aussi « Excellent ». Je ne connaissais pas. Peut-être que je ne suis pas bon. Donc, c'est bien, on savait qu'il arrivait des formules au colonel James Borache après avoir été renversé par une voiture. Eh bien, il a retrouvé la vue. Donc, sur cette question, eh bien, Kenza est passé au rouge. Qui dit rouge? Elle a pris Loïs en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente, mais bon, qui aurait été rigolote à répondre. Mais passons à qui les habitants de Los Angeles en